2022 of the FIFA World Cup Qatar 2022 that is going to take place tomorrow at Al Bayt Stadium. Please allow me to welcome coach of Morocco, Walid Regragui, and the team player number 13, Elias Al-Sha'r. Translation is available in the FIFA interpretation app, English, French, and Arabic. Coach and Elias, your opening remarks, please. Okay. Bonjour, assalamu alaikum. Bon, bah, on avance dans la compétition et plus on avance dans la compétition et plus les matchs sont de plus en plus difficiles. On va jouer l'équipe championne du monde avec des joueurs de qualité, un entraîneur de grande qualité, le meilleur sélectionneur au monde. Nous, on va continuer sur ce qu'on sait faire avec beaucoup d'ambition pour essayer de créer la surprise et pourquoi pas aller en finale de la Coupe du Monde. Yes. Hello. Yes. So yeah, he did it in French. I will do it in English. As players, we are all excited to be in this semi-final, and everyone is really motivated to play against the best national team in the world. And I think with the help of our trainer and the technical staff, we'll have a good game, and hopefully we'll see each other again for the final. عادل الرحموني مدير موقع ماتش بريس بالمغرب. سيد وليد الركراكي، غدا ان شاء الله مباراه قويه ضد المنتخب الفرنسي، هل ممكن تعطيونا صوره على العناصر الوطنيه التي جاهزه؟ لان كل الشارع المغربي يتساءل على الاصابات اللي لاحقت اللاعبين، لان هذه هي المشكل الوحيد اللي صادف وليد الركراكي. Bon, comme tout le monde le sait, on a beaucoup de blessés, mais on récupère bien. On a un staff médical qui est de très haut niveau. Et chaque jour, il y a des choses positives qui viennent avec des bonnes nouvelles. Donc voilà, on attend toujours jusqu'à la dernière minute. C'est ce que j'ai dit depuis le début de la compétition pour prendre les décisions. Donc pour le moment, il n'y a personne qui est out et il n'y a personne qui est in, on va dire. Voilà, on verra demain qui est prêt, qui n'est pas prêt, mais en tout cas, on mettra la meilleure équipe possible et les joueurs qui sont à 100% pour débuter le match. Colbert Yompan, Diaspora News Cameroun, bonjour coach. Quel est le sentiment qui vous anime en ce moment? Celui de vous dire, on a atteint les demi-finales, c'est déjà énorme, tout ce qui arrive, c'est un bonus, ou alors de se dire, on est là. On donne tout pour la finale. Ben, c'est un peu ce qu'on veut changer comme mentalité. On est venu dans cette compétition avec beaucoup d'ambition et on est venu pour changer les mentalités, notamment de notre continent. Et c'est ce que j'ai dit aux joueurs. Si on est content juste d'arriver en demi-finale et de se dire que quoi qu'il arrive, on aura réussi notre Coupe du Monde, ben, y en a beaucoup ici qui diront qu'on l'a réussi. Moi, je ne suis pas de cet avis. On est dans les quatre meilleures équipes du monde. On n'est pas arrivé par hasard. Et on a notre mot à dire demain pour aller en finale. Et on va être dans cet état d'esprit en espérant que, comme je l'ai dit depuis le début, que notre adversaire ne va pas nous respecter comme beaucoup d'équipes. Parce que c'est vrai que s'ils jouent à leur meilleur niveau et qu'ils nous respectent, ce sera beaucoup plus compliqué. Mais nous, on a confiance. On a joué les grosses cylindrées du mondial. On a peut-être le parcours le plus difficile. À chaque fois, on nous prédit... On nous prédit l'élimination et on est encore là, avec nos valeurs. Donc non, aujourd'hui, je disais en début de compétition qu'on rêvait de gagner la Coupe du Monde. Plus on avance et plus on est proche de notre rêve. Donc voilà, on va se battre demain pour aller plus loin. Bonjour, Walid Regragui, je suis là. Ah. Hugo Moissonnier, Radio France Internationale. L'une des principales menaces qu'il va falloir neutraliser pour vous, ce sera évidemment celle de Kylian Mbappé. Dans sa zone, il y aura Achraf Hakimi. Les deux joueurs se connaissent évidemment très bien. Ils jouent en club et puis ils exposent régulièrement leur amitié sur les réseaux sociaux. Et même au Maroc, je crois que Kylian Mbappé est déjà venu voir son pote. Est-ce que vous allez avoir une conversation particulière avec Achraf Hakimi pour neutraliser Kylian Mbappé? Bah, s'il y a un joueur qui le connaît mieux que moi, c'est Achraf. Hein. Il s'entraîne tous les jours avec lui. Donc s'il a une idée...
précise du joueur qu'est Kylian, c'est lui qui le sait. Donc non, on va pas mettre en place plus de dispositifs tactiques ou quoi que ce soit par rapport à Kylian, parce que malheureusement pour nous, il n'y a pas que Kylian. Quand on voit Griezmann, la qualité du joueur que c'est entre les lignes, quand on voit Ousmane, qui est pour moi le complément parfait de Kylian, voilà, le danger, il vient à gauche, il vient à droite. Donc si on reste que focus sur Kylian, on fera une erreur. On va jouer collectivement. Achraf, c'est un des top players au monde aussi à son poste. Donc voilà, ça va être un beau duel entre les deux. Ces deux champions, je pense qu'ils ne vont pas se faire de cadeaux. Donc voilà, c'est que nous, on ne se focalise pas que sur Kylian, on se focalise surtout sur l'équipe de France, sur les problèmes qu'on peut leur poser. Et puis après, à l'arrivée, forcément, les problèmes qu'on peut poser, il faudra annihiler un peu Kylian, mais pas que. Et Achraf, le concernant, je n'ai aucune inquiétude qu'il sera à 200%, qu'il est surmotivé pour battre son copain. Good morning, Mr. Regagui. Dario Ricci, Il Sole 24 Ore Italy, please, in English. In your opinion, what will be the key points of the match from a tactical and a mental point of view? Thank you. The key for us is the spirit, you know, is the team spirit. Now we play same of club, not of national team. Everybody work. Everybody want to give our best in every game. And we play a collective game every time with a good spirit. And the spirit for me is everything in the football, is more important. And with the heart and the spirit. Before we continue with the questions, I would kindly ask our colleagues, the photographers, to please leave the room. Our colleagues, the photographers, kindly please leave the room. Thank you. No more photos. Please go ahead with the question. Morad Mouterokil, M24. Olid, bonjour. L'autre fois, je t'avais demandé, je voulais savoir ce que tu avais dit aux joueurs quand tu les avais regroupés au milieu du terrain. Et tu m'avais répondu, je leur avais demandé s'ils avaient toujours faim. Est-ce qu'ils ont toujours faim? Ben, j'ose espérer. Hein. Quand tu arrives en demi-finale de Coupe du Monde, si tu n'as pas faim à ce moment-là, c'est faire une demi-finale de Coupe du Monde, c'est pas donné à tout le monde. Il y a la meilleure équipe de la compétition qui est déjà sortie, c'est le Brésil. Et ils ne vont pas voir la demi-finale. Donc voilà, et ils le savent. On est une équipe ambitieuse. On a faim. Maintenant, est-ce que ça va suffire? Je pense que ça peut, avec l'état d'esprit. On est confiant. On a envie de réécrire l'histoire. On a envie de mettre l'Afrique sur le toit du monde. Et ça, c'est une des valeurs qui va être importante pour demain. Parce qu'il faudra être fort pour nous sortir de la compétition, même si je sais que tous les pronostics sont contre nous. Mais nous, on a confiance. Alors peut-être qu'on est fou, mais c'est bien d'être fou. Mais nous, on a confiance, je le répète. Et on n'est pas fatigué, je le répète aussi. Donc si ça peut les embêter jusqu'à demain, parce qu'apparemment, ça veut être rassurant à dire qu'ils vont être fatigués. Non, on ne va pas être fatigués. Depuis le début de la compétition, tout le monde dit qu'on va être fatigué. On ne va pas être fatigué. Tu ne peux pas être fatigué à une demi-finale de Coupe du Monde. Donc, on a faim et on n'est pas fatigué. Hi, Noah from the Netherlands. A question to both. There will be about 30 extra flights coming over with Moroccan fans to Doha. What does it mean to you both that so many fans will be here supporting you? Well, for me, we have the best fan in the world, maybe with Argentine fans and Brazilian fans. I'm very happy because now the world begins to know what is a Moroccan fan. He's a crazy guy. He loves his country, he loves his club. He can travel anywhere to come to support your country. Maybe tomorrow you have more of 20,000 people minimum. He can come to support us, and I'm very happy because the World Cup can give this picture of the fans of Morocco.
on tomorrow, sure, we play at home. And it's very important for us. Yes, and for me the same. I think all the Moroccan fans around the world, they come and support us, and it's a great honor and pride to play for these fans and make them proud. So I think it's really important for us that we go out there and perform and make these fans happy, because like the manager said, they are the best fans in the world. So we are out here to give our all and hopefully at the end be the best. نجيم منقول السير كراكي انت تزاديتي في فرنسا ومسارك وتكوينك الاحترافي كان فيها تمنيتي كيف قلتي في السابق تلعب مع هذا المنتخب وتحققت الامنيه في نصف النهايه واش المعرفه ديالك بهذا الكره ومعك لعابه عندهم نفس المسار بوفال وسيس غيعطيك الاسلحه باش نوصلوا للفينال شكرا non je rentre pas du tout dans ce contexte je suis né en France J'ai la double nationalité. C'est un honneur et un plaisir de rencontrer la France, mais c'est que du football. Donc voilà, moi je viens, je suis entraîneur de mon équipe nationale. On va jouer la meilleure équipe du monde, et ce qui m'importe, c'est pas de jouer contre la France ou l'Angleterre ou le Brésil, c'est de me qualifier. Maintenant, c'est sûr que ça va être particulier, surtout pour mes proches, pour ma famille, pour mes amis. Mais moi, en tout cas, en tant qu'entraîneur, c'est quelque chose qui me trouble pas et qui m'intéresse pas du tout. Je suis là en tant qu'entraîneur de football et ce qui m'intéresse, c'est de gagner. Alors, on a la France, si ça avait été l'Angleterre, ça aurait été pareil. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est de jouer la meilleure équipe du monde. Pour un entraîneur, c'est toujours bien de pouvoir se tester et de voir à quel niveau on est arrivé avec notre équipe. Mais même pour les joueurs, c'est le message que je leur porte. On fait pas attention à savoir contre qui on joue. Alors, on avait joué la Belgique, on avait des binationaux aussi. Et le message, il est toujours le même. On joue pour le Maroc et on joue un match de football. Et ça doit être la fête. Et je pense que pour tous les binationaux franco-marocains, ça doit être une fête. Et quoi qu'il arrive, eh ben, je pense qu'on fera la fête ensemble sur les champs, que ce soit si c'est le Maroc qui gagne ou la France. Parce que voilà, on vit ensemble et on est content d'être ensemble. C'est le plus important. Vous allez rencontrer le dernier finaliste de la Coupe du Monde. On connaît les qualités de la France, notamment avec ses joueurs offensifs. Pensez-vous qu'il faudra exiger plus de conservation du ballon de la part de vos joueurs afin de casser le jeu français et tenter de créer plus d'occasions? Ou gardez-vous ce système de défense collective en tentant d'être dangereux sur les contre-attaques? Merci, Siwalid. Non, on va jouer comme on sait faire. Alors après, il y a la mode, c'est ce que j'ai dit, je vais le répéter. Puisque maintenant, on est en demi-finale, c'est bien, il y aura peut-être plus d'écho. Cette possession de balles, mais c'est extraordinaire. Comment même vous, les journalistes sportifs, ça vous fait rêver. 60, 70% de possession de balles, tu as fait 2 tirs dans le match. Les XG, ça c'est la meilleure invention pour les coachs ou pour les joueurs. Les XG. On aurait pu gagner parce qu'on a eu 4 de XG. Mais tu as un attaquant en bois qui a loupé 4 occasions. Et tu as donné 4 XG pour rien. Nous, on est là pour gagner. On n'est pas là, la possession, si on peut l'avoir, on va la prendre. S'ils ne nous la laissent pas, eh ben on va leur laisser. Mais on va se battre avec nos moyens pour gagner. Et je pense qu'il y a un sélectionneur en face de moi qui est le meilleur au monde pour moi. Et il a très bien compris ça depuis longtemps. Et il gagne comme ça aussi. Donc voilà, nous, on est là pour gagner. Alors après, parler de est-ce que vous allez avoir la possession? S'ils nous la laissent, on va la prendre. Je ne pense pas qu'ils vont nous la laisser. Et s'ils ne nous la laissent pas, eh ben, faut qu'on sache comment faire, comme on a fait les matchs d'avant, pour les empêcher de tirer le plus de fois au but et qu'ils aient le moins de XG possible pour nous battre. C'est le truc, mais on y va pour faire un coup et pour gagner. Mais la possession, j'ai demandé à Infantino, s'il peut donner 1 point ou 3 points à partir du moment où on peut avoir 60% de possession, ça va changer beaucoup dans les championnats, parce qu'à part City, qui est à chaque fois à 70 de possession, mais la possession, je suis passé par là, moi, la possession. C'était mon rêve, moi, Guardiola, à un moment donné, il m'a rendu fou, lui aussi. Ah ouais, tiki-taka, la possession, C'est sûr que quand tu as De Bruyne, quand tu as Bernardo Silva, quand tu as XY, la possession, c'est bien. Gagner. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est que l'Afrique aujourd'hui, parce qu'il y en a beaucoup, et notamment les journalistes européens qui ont critiqué un peu notre jeu, moi, je pense que ça les embête aujourd'hui de voir une équipe africaine jouer un peu comme les équipes européennes qui ont compris. Alors, je sais que ça fait plaisir de temps en temps de dire, ils étaient sympas, ces Africains.
Il y avait un peu de danse, ça jouait bien, ils nous ont fait plaisir. Bouffal l'a mis deux petits ponts, c'est magnifique. Et mais il rentre à la maison. Non, non, c'est fini. On est passé à autre chose. On a envie de gagner. On a envie de gagner pour l'Afrique, on a envie de gagner pour les pays qui sont en voie de développement, qui dans le football, pour qu'ils apprennent qu'aujourd'hui, on peut gagner avec un minimum, parce que c'est le football. Il n'y a pas qu'une manière de jouer. Et je prends exemple sur la France. Hein. Parce que c'est bien beau, mais moi, 2018, ils m'ont fait rêver la France, comment ils ont joué. Ils ont tout compris. Ils ont explosé tout le monde. Et contre l'Angleterre, ils n'ont pas eu 40 occasions. Ils ont explosé tout le monde. C'est la meilleure équipe. Si on peut prendre un peu exemple sur eux, demain, pourquoi pas. Mais XG, possession, c'est bien. Les datas, je crois qu'on a 0,01% de chance de gagner la Coupe du Monde au départ de la compète. Je ne sais pas, on est monté ou pas à peu près. Peut-être on doit être à 0,03 peut-être maintenant. Mais on va essayer de faire mentir cette statistique. Alors peut-être demain, je vais passer pour un con. Hein. On va dire, ah, il a trop parlé. On est à 12. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. On va essayer de monter après le match un peu plus. Bonjour, monsieur Garoui. Bonjour, cher. Je suis Fernando Valleca de Barros. Je suis freelancer. Je travaille pour l'État de São Paulo dans cette Coupe du Monde. Il y a 8 mois, votre prédécesseur, il y a eu des énormes difficultés pour souder une équipe. Vous arrivez, vous formez un groupe avec des joueurs des origines différentes. Et le Maroc est là, c'est en réalité. Vous êtes dans les carrés finales. Explique-moi un peu les secrets pour souder un groupe. Qu'est-ce que vous avez fait? Et pour Cher, je voudrais savoir sur l'idée de faire venir les familles. Avec qui de votre famille est ici avec vous? Et quel support cette expérience de venir avec vos proches vous donne comme force? Merci beaucoup. Pour moi, il y a mes parents, il y a ma femme. Mais après, il y a tous les joueurs aussi, tous les parents des joueurs, on est tous une famille. Et je pense que ça, c'est une force à nous. Et j'espère qu'on continue comme ça parce que c'est beau à voir. Si tu vois les vidéos après le match et tout, avec les joueurs, avec leur maman et avec leur papa, c'est quelque chose de beau. Tu as des larmes dans les yeux. Donc, ça donne une force incroyable. Et on va utiliser cette force pour les prochains matchs. Par rapport à la situation, ce que j'ai pu apporter, je pense que c'est surtout les joueurs. Moi, j'ai essayé de créer rapidement un groupe, c'était important. Et j'ai beaucoup réfléchi à comment aborder le tournoi, parce qu'en fait, la compétition de la Coupe du Monde, ça n'a rien à voir avec des qualifications ou avec une préparation sur du moyen ou long terme. Donc on était sur du court terme, il fallait préparer une équipe pour un tournoi. Comment faire pour gagner des matchs dans un tournoi et se qualifier? Donc on a beaucoup réfléchi avec le staff. On a mis beaucoup de petits détails en place, notamment la venue des parents, des familles, pour essayer de créer un état d'esprit qui puisse nous aider à nous surpasser dans cette compétition. Et ensuite, tactiquement, on a été au plus facile et au plus rapide. C'est-à-dire d'être une équipe très bien organisée, qui fait des sacrifices, et qu'a confiance en elle. Donc voilà, pour le moment, ça nous a réussi, ça aurait pu ne pas marcher. Mais on a pris des options qui, aujourd'hui, nous donnent raison. Et je suis content pour ça, parce que les joueurs, surtout, ont adhéré et ont cru au projet. Et je suis tombé sur des vrais bons gamins qui aiment leur pays et qui m'ont suivi. Donc voilà. Assalamu alaikum. هشام فرج من الشركه الوطنيه لدعم التلفزه المغربيه. مرحبا سي وليد الياش. سي وليد، انا ما بغيتش نسولك على المباراه لانه المباراه تقريبا قلتي كل شيء، ولكن اليوم كيفاش نستثمروا هذا النجاح اللي احنا اليوم فيه؟ صراحه هو انجاز كبير ديال كره القدم الوطنيه. فرحنا انا وتابعنا لاعبين ديال الدوري المغربي وديال البطوله انهم حاضرين، لانه كان هناك بعض من شكك في قدرات اللاعبين المحليين انهم يكونوا يعطيوا الاضافه. على مستوى المراكز التكوين كنتابعوا اكاديميه محمد السادس ومراكز اخرى اللي كتعطي لاعبين، كيفاش نستثمروا هذا النجاح باش نبقاو غاديين في هذه الاستمراريه ونشوفوا لمن ان شاء الله نحققوا كاس افريقيا وتكون نجاحات ديال الكره المغربيه؟ شكرا. Non, mais le plus important pour moi, et le message que je veux envoyer, c'est que je ne veux pas qu'on commence à catégoriser les joueurs qui intègrent l'équipe nationale. Les joueurs de Botola, du championnat local, les binationaux,
les joueurs de l'académie. Non, non, quand on intègre l'équipe nationale, on est marocain, on vient avec ses qualités et parce que le sélectionneur pense que tu peux apporter quelque chose. Et moi, sur les 26 joueurs que j'ai choisis, j'ai pas fait de quota. J'ai regardé ceux qui pouvaient apporter quelque chose à l'équipe et qui pouvaient donner un plus. Et aujourd'hui, c'est bien parce qu'ils le rendent sur le terrain. Après, c'est plus l'environnement extérieur qui ont des doutes concernant ces joueurs-là. Mais moi qui les connais, j'avais aucun doute. Un joueur comme Atiat, là, ça joue en Europe tous les jours. Yahya Jbran, ça joue en Europe tous les jours. Dari, même s'il a eu quelques complications à un moment donné à Brest, mais c'est un jeune joueur, il va progresser comme Aguerd à l'époque à Dijon. C'est des joueurs qui peuvent jouer en Europe. Voilà. Après, c'est l'état d'esprit, c'est ce que je dis. Une équipe nationale, c'est complètement différent de club. Il faut créer un groupe, un état d'esprit et que tout le monde adhère. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Mais c'est bien pour l'avenir parce que ça a donné confiance à des plus jeunes et à des joueurs du championnat local pour progresser et travailler. Bonjour, coach. Luis Mirel Pascual de l'Agence de presse espagnole, ici. No. Please, ask the question in English, French or Arabic. French, no, Spanish is okay. Je parle en français, vous inquiétez pas. Okay. En français. Please. Oui, la question, c'est par rapport à votre préparateur physique, Eduardo Domínguez, qui est en espagnol. Comment est-ce qu'il s'est intégré dans cette famille que vous avez créée dans l'équipe marocaine? Et si vous pouvez nous parler un peu de son travail, merci. Mais pas que Edu, il y a Juan aussi. J'aime bien la préparation espagnole, qui est beaucoup faite à base de ballon. Et c'était ma priorité au départ d'avoir un staff pratiquement 100% marocain. J'ai fait une exception juste pour la préparation physique. Pas qu'au Maroc, on n'est pas bon. Au contraire, on a des très bons préparateurs. Mais je voulais apporter une touche spécifique avec la préparation physique espagnole. Et Edu, il nous apporte tout ça. Il s'est très bien intégré. Il a une capacité d'adaptation. Et je l'ai aussi pris parce qu'il avait entraîné dans le monde arabe. Il avait entraîné aux Émirats et en Arabie Saoudite aussi. Donc, il connaissait aussi la mentalité arabe, donc voilà, mais on est très très heureux de sa venue, on est très heureux de son travail. Bonjour Walid, Emmanuel Branguet pour l'agence France Presse. Tu connais forcément très bien le football français puisque tu en es aussi. Est-ce que tu peux parler du fait que la formation marocaine a été relancée, notamment par l'Académie Mohamed VI, etc., etc., et que c'est aussi un long processus et un long travail, et que cette équipe de 2022, elle arrive de très loin, à la fois du recrutement, d'aller rechercher des binationaux et de former des joueurs au pays. On a la chance que Sa Majesté, que Dieu l'assiste, a mis beaucoup de moyens pour faire progresser le football au Maroc, et c'est aussi en grande partie sa réussite aujourd'hui, d'avoir créé l'académie, d'avoir mis les moyens dans les installations au Maroc, avec la création de beaucoup de stades, beaucoup de terrains d'entraînement. Et l'académie, bien sûr, fait partie du projet royal. Et c'est bien parce qu'on a toujours bénéficié des binationaux au Maroc. Hein. Moi-même, je suis venu jouer en étant binational, et la génération 2004, il y avait beaucoup de joueurs formés en France. Mais on a vite compris qu'il fallait aussi créer de la formation chez nous, avoir des forces vives qui font partie du pays. Et avec l'arrivée de joueurs comme El Nasseri, Tegnaouti, Ounahi, Aguerd, d'autres joueurs comme Banoun, Dari, qui sont des produits locaux, on va dire, et ben c'est bien. Ça veut dire que l'Afrique et le Maroc progressent dans ce sens-là. Et ils ont enfin compris qu'il fallait se prendre en main. Et Sa Majesté a eu cette vision, et heureusement pour nous, aujourd'hui, elle fonctionne et elle montre au monde que voilà, au Maroc, on avance et on travaille, comme je l'ai dit. سؤالي باللغة العربية. كريم عبد المحسن موقع كورة. بداية بأني كابتن وليد. بداية بأني كابتن وليد على الإنجاز اللي حققه ونتمنى إن شاء الله إن هو يكمل لنهاية الحلم اللي قاله من أول يوم. بعد النجاح الكبير اللي كابتن وليد حققه في كاس العالم بالتاكيد في عروض كتيره سواء جت او هتيجي بعد نهايه البطوله هل كابتن وليد قراره ان هو الاستمرار مع منتخب المغرب ايا كان الوضع ولا ممكن ياخد تجربه جديده شكرا merci mais nous on est concentré sur la demi-finale et le message que je veux envoyer aujourd'hui justement c'est
Parce que je vois depuis 2-3 jours, on a envie d'être satisfait et de dire quoi qu'il arrive, on aura réussi notre mondial. Et je veux changer ça. Alors vous allez me prendre pour un fou, mais non, ce n'est pas comme ça qu'il faut qu'on pense. On va aller en finale, on veut gagner la Coupe du Monde. Et ce n'est pas des paroles en l'air. On n'est pas là pour être content juste d'avoir mis l'Afrique en demi-finale de la Coupe du Monde. Il faut qu'on aille plus loin. Peut-être qu'on n'aura plus cette occasion. Donc pour ça, les joueurs, ils sont prêts à tout. Le staff est prêt à tout pour créer la surprise demain, comme on l'a fait contre la Belgique, la Croatie, l'Espagne, le Portugal. Alors, on tombe sur la meilleure équipe du monde, mais peu importe. Aujourd'hui, on est vraiment concentré et on a une énergie qui va être extraordinaire, qui va nous pousser demain pour rééquilibrer un peu les débats. C'est comme un match de coupe. Voilà, quand il y a l'envie, quand il y a la ferveur, quand il y a le public, je pense qu'on est capable. Me concernant, moi, sur mon avenir, je suis marocain, je suis concentré sur mon équipe nationale et j'aime mon pays. Voilà, c'est le plus important. Walid Regragui, bonjour. Lassana Camara de panafricanfootball.com. Je vous ai connu à Corbeil-Essonnes. Les tartérés, les quartiers difficiles, ça vous dit quelque chose. Est-ce que le fait d'avoir commencé à jouer là, d'être formé là, ça vous aide à comprendre le joueur maintenant? Parce que beaucoup d'entraîneurs africains ont cette difficulté-là à comprendre le joueur qui vient de la diaspora. Et en plus de ça, conjugué à ça, vous étiez entraîneur du Wydad. Le 31 mai, vous étiez champion d'Afrique. La Ligue des champions africains, vous l'avez gagnée. Là, le 18 décembre, vous pouvez gagner la Coupe du Monde. Et toute l'Afrique attend que ça. On a faim aussi. Les journalistes africains ont suivi nos équipes africaines. Chaque année, c'est les branlés sur branlés. Ça sera la première fois de ma vie que je ne supporterai pas l'équipe de France parce que je suis l'équipe de France depuis 5 ans. Mais je veux cette Coupe-là. Le Maroc, il faut donner cette Coupe-là à l'Afrique. Inch'Allah. Non, écoute, ouais, j'ai grandi à Corbeil, dans les quartiers populaires. Après, je n'ai pas envie d'en faire une histoire. Le jeune de banlieue qui réussit, il est parti d'en bas. C'est magnifique, l'histoire. J'ai vu plein qui sont partis dans mon quartier où j'ai grandi il y a 30 ou 40 ans pour faire des storyboarding de regarder, on peut réussir. C'est un truc comme pour... j'ai envie de changer les mentalités. Compétences, qu'on vient de banlieue, qu'on vient de Saint-Germain-en-Laye, t'es bon. Alors oui, je viens des quartiers, c'était un peu plus difficile pour nous, on le sait, il faut se battre 2 fois, 3 fois plus, mais ce n'est pas un frein pour moi et ce n'est pas un critère pour me plaindre. Je suis là où je suis aujourd'hui et je suis concentré pour faire une demi-finale. Si ça m'aide, oui, forcément. Parce que d'où on vient, on a 2 fois plus faim et comme on s'est battu 2 fois plus, et ben forcément, c'est peut-être plus facile à passer ce message-là. Mais ce n'est pas une raison ou une excuse valable pour essayer de créer des histoires. Je suis là avec mes compétences, j'ai passé mes diplômes, j'ai fait 10 ans d'entraîneur avant de prendre la sélection. Je travaille au quotidien, j'essaye d'avoir les meilleurs résultats possibles et j'essaye de montrer le bon exemple. Et si en plus mon parcours, ça peut permettre de faire rêver quelques gamins, que ce soit en banlieue, que ce soit en France ou en Europe, partout dans le monde, mais surtout en Afrique, eh bien, tant mieux. C'est l'objectif aussi, attention, je ne mens pas. Mais aujourd'hui, je suis en mission. Et là, le petit, hein, on est en mission ou pas? Pas là pour rigoler, pas de fatigue. Je le répète, pour ceux qui pensent, on n'est pas fatigué. Demain, on va courir. On a envie de rentrer dans l'histoire pour le Maroc, pour l'Afrique, pour le Maghreb aussi, pour nos frères aussi, algériens, tunisiens, égyptiens, libyens. Pour l'Afrique subsaharienne, pour tous ceux qui ont rêvé un jour de voir l'Afrique en demi-finale ou en finale de Coupe du Monde. On a l'opportunité là, il ne faut pas la gâcher. Moi, c'est surtout ça que je me rends compte. Je n'ai pas envie qu'on attende 40 ans après pour qu'une équipe africaine ait la chance et qu'il y ait la même conférence de presse dans 40 ans et qu'on dise vous pouvez passer. Non, non, on a l'opportunité demain de rentrer dans l'histoire, de ramener une équipe africaine en finale de Coupe du Monde. Et comme je suis quelqu'un d'un peu fou et que... je suis un peu tout ce qui se disait même avant la Coupe du Monde. On a été beaucoup critiqués, les pays africains. Il y a beaucoup aussi de commentateurs sportifs qui disaient « Oui, mais l'Afrique, avoir 5, c'est déjà bien et ils ne sont pas assez bons. Ben, » il y a des moments où il faut marquer le territoire et dire « Non, on est là. On est là et aujourd'hui, on a l'opportunité. » Alors, on tombe, la France, c'est la meilleure équipe du monde. Ça va jouer sur des détails, mais on va essayer de le faire. On va essayer de le faire, Inch'Allah. Bonjour Walid, bonjour Ilyes, bonjour Thabit. Il y a un vrai décalage aujourd'hui entre le public, la presse sportive d'un côté et les entraîneurs de haut niveau, et je souligne le haut niveau, les entraîneurs modernes de l'autre côté.
Malheureusement, ces entraîneurs modernes, même quand ils viennent dans des émissions de télé et de radio, ils restent superficiels. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vulgariser le football moderne, vraiment ? Parce qu'il y a un vrai décalage. Est-ce que ce n'est pas du rôle même des entraîneurs de haut niveau de vulgariser plus ce football moderne qui n'a rien à voir avec les acquis historiques ? Non, non, après, chacun a son avis sur le football. Après, vous, c'est normal, vous faites aussi votre métier, nous, on fait le nôtre. Pourquoi c'est beau le football ? Parce que justement, à chaque fin de match ou avant, un avant-match, chacun a son avis. Chacun lit le film comme il a envie de le lire, avec son idée du football. Et voilà, on gagne de plusieurs manières, on perd de plusieurs manières. Il y a des forces en présence, il y a des équipes qui sont moins bonnes, il y en a qui sont plus fortes. Et à l'arrivée, des fois, c'est les moins fortes qui gagnent. Et il faut essayer de justifier le pourquoi du comment. C'est le football. C'est pour ça qu'on aime ce sport. C'est pour ça que c'est le sport le plus populaire. Et que c'est le sport qui peut permettre peut-être d'avoir des milliards de personnes dans le monde qui suivent un match de foot. Et c'est pour ça que c'est magnifique. Alors après, voilà, on peut parler football des heures. On peut ne pas se mettre d'accord aussi pendant un certain temps. Mais moi, l'idée que j'ai du football, c'est que déjà, c'est une manière de rassembler les gens. C'est une manière de faire passer des messages et positifs à chaque fois. C'est comme ça qu'il faut le voir. Moi, je pense que ça va être une fête en France demain. Ça va être extraordinaire. L'équipe de France en demi-finale encore de la Coupe du Monde, alors qu'ils ont gagné la dernière Coupe du Monde. Le Maroc, des Marocains qui ont grandi en France. Il va y avoir des Africains qui vont être... Mais à la fin, ça doit être une fête. On doit vivre le football comme une fête. Et ça reste que du football. Demain, quoi qu'il arrive, qu'on gagne ou qu'on perde, c'est qu'un match de football et ça doit justement nous permettre demain de faire la fête ensemble. C'est pour ça que des fois, quand il y a des débordements, comme ça s'est passé en Belgique, je ne suis pas du tout d'accord. Ça ne doit pas avoir lieu. Le football, c'est la fête pour moi. Et demain, ça va être la fête sur le terrain, j'en suis sûr, puisqu'on se connaît. Que le meilleur gagne. Et à la fin, et ben voilà, avec chacun ses valeurs, chacun son mode de pensée, et ben, être content pour l'autre équipe qui ira en finale. Et nous, en tout cas, si on ne doit pas passer, on félicitera les Français, on sera derrière eux. Et si on passe, je suis sûr qu'ils seront derrière nous et qu'ils nous féliciteront. Et c'est juste ça, ça reste que du football. Mohamed Yahya, de la Sahifat al-Watan al-Masriya. Voilà. Mohamed Yahya, de la Sahifat al-Watan al-Masriya. يمكن في البداية بهنيكم على الإنجاز الكبير خليتوا العرب كلهم فخورين بالإنجاز اللي حققه المنتخب المغربي إنجاز كبير سؤالي الكابتن وليد هل الإنجاز دوت ممكن نشوف مدربين عرب على منصات التتويج بعد كده مرة تانية وفي سؤال تاني للكابتن وليد والإلياس وجود أسر اللاعبين الآباء والأمهات ايه دوره كان في الانجاز اللي اتحقق للمنتخب المغربي بالوصول للدور قبل النهائي شكرا moi nous ce qui est important pour nous et je parle toujours que de football c'est ce qui m'importe nous on essaye de déjà on représente le Maroc. Donc on a une image à donner de notre pays à l'international parce que la meilleure tribune, bah c'est la Coupe du Monde. Donc si c'est bien ce qu'on a pu véhiculer, c'est-à-dire le rapport entre les joueurs, les familles, notre culture, d'où l'on vient, comment on est, comment on peut se comporter avec nos mamans, avec nos épouses, parce qu'il y a beaucoup aussi de gens qui ne connaissent pas vraiment notre culture, et ben c'est une bonne tribune. Mais après, nous, surtout, ce qu'on veut montrer, c'est notre football sur le terrain. Alors, on représente, aujourd'hui, on nous parle qu'on représente bien sûr le monde arabe, l'Afrique, le Maroc. D'abord, on représente le football, notre manière de jouer, le Maroc. On représente notre pays, comment sont les Marocains, comment ils vivent le football. Je vous ai dit qu'on est un peuple de passionnés. Il y aura sûrement 20 000 personnes qui vont se déplacer. Et quand on connaît... les moyens des gens marocains pour venir au Qatar, se déplacer, mettre beaucoup d'argent, c'est pratiquement un budget pour certains pour venir supporter leur équipe, tout comme les Argentins, les Brésiliens, ça montre la ferveur du peuple marocain pour le football. Donc si on peut le montrer, c'est bien. Si on peut faire rêver des gamins dans le monde, que ce soit en Afrique ou dans le monde arabe, c'est encore mieux. Et si on peut donner une image positive de notre pays, du monde arabe, de notre religion aussi, ben c'est encore mieux aussi parce que comme je l'ai dit le vivre ensemble c'est le plus important et je pense que le Maroc notamment c'est un pays qui a toujours montré beaucoup de respect pour toutes les religions pour toutes les cultures et c'est un pays qui est magnifique
Et je parlais de Nia, c'est un pays qui est vraiment Nia, le Maroc. Alors vous traduirez en brésilien, en anglais, en français la Nia, vous chercherez comme ça, ça vous obligera un peu à comprendre. Mais le Maroc, c'est cette qualité. On est accueillant, on est prêt à donner, et des fois on n'attend rien en retour. Alors ça peut être un défaut, mais c'est pour moi une qualité. Et donc si on a pu montrer aux yeux du monde qui sont les Marocains, qu'est-ce que le peuple marocain, et grâce à Sa Majesté, que le Maroc progresse et qu'on avance, eh ben c'est magnifique. Il n'y a pas meilleure tribune que la Coupe du Monde, et je pense qu'on a montré un bon exemple, et on va essayer encore demain de montrer un bon exemple avant et après le match. Ben, pour moi, le coach, il a tout dit. Il n'y a rien à rajouter. Il a toujours tout dit, le coach. Last question to the coach before we give two questions to Ilyas and then we wrap up the press conference. Hello, here in the middle. Yeah. Benjamin Zimmer from Germany. My friend from Deutschland. Bayern Munich. Hello, hello. One question to the player. How would you describe your coach? How is he like talking to your players? What would you say is important to him? And then to the coach, what's the right answer? So what are the principles of your work? What do you want to see from your players when you work with them in training or even outside in the camp? Yeah. Well, first of all, I think you can see what he did with the players. He created an environment that was really like a family. And I think, in my humble opinion, I think he's the best coach in this tournament. Although people will say he's very young or not experienced, but I don't think we as players, we really care about that. I think he's the best possible man to take us as far as possible. And it's not only about football, it's also in life. I think he teaches a lot of things outside of football, in life, with our wives, with our parents, religion, whatever. Whenever you have a problem, you can go to him and he will be your dad, your big brother in that moment, outside of being a coach. So I think he's the best man at the moment, and we all wish him the best because he truly deserves the best. Wow, I think tomorrow he plays here. Merci, mon petit. So one question to the coach and one to the captain, please. Over there. Yeah. Good morning, Coach. Gibio Olivero, Gazzetta dello Sport from Italy. Congratulations for your job because more your players are at their best now. Do you think they will play so well also in their clubs after World Cup? And this tournament is for them a magical period or the turning point of their career? Thank you. Well, of course, when we play a World Cup, everybody in the world see your game. You have some player, he play not in the small team because I don't like that, but he maybe deserve best team of his club, and he's good tribune for us to show his quality. But now everybody is focused for his World Cup. He want to make history, and after, you know, the player, he have his manager, he have his journalist, for he make them a publicity, and he change the club. But now everybody's focused with Morocco, and that is important for me and for the country. Last question to Ilyas Alshar, please. Question to the player, yes. Where is it? Hello, my name is Fisayo Dairu from Nigeria. I want to ask you, Ilyas, you're one of the few players that haven't had much minutes with the national team in this competition. How is that? How easy or difficult is that to take in such a competition that has put your country on the history books? I am in the semi-final of a World Cup. Me, as a little boy, I could have never, ever dreamt of something like this. I know every single player wants to play. There's not one football player in the world that doesn't want to play football. And of course, sitting on the bench is not a nice thing. But if you see what we have created as a team,
you can see that no one really cares as long as the job is done at the end of the day. So when the manager gives me a chance, I will be ready and I will give 100% for him, for my teammates and for my country. But me feeling something because I didn't play, no, I don't feel anything. I feel proud. And like I said before, I'm in a semi-final of World Cup and that's a real dream come true, and hopefully it doesn't end here. Walid El Ragragi, coach of Morocco, and Elias El Shaar, player number 13. Thank you. Thank you. Thank you. Merci.